Il a fait. Nene do bena ka kaba. Ye che sore bi furu ulu de ma. Maman moukle la dalsa. Astou n'a pas réussi à tenir tête à sa mère qui l'interdit d'épouser l'homme de sa vie. Depuis que Bintou a découvert que sa fille lui ment concernant son relationship avec Mustapha, le fils de son ennemi juré, ça a vraiment réveillé des souvenirs du passé. Comment est-ce que sa fille peut épouser l'homonyme de l'homme qui lui a brisé le cœur dans le passé? Bintou est décidé à abuser de son autorité parentale hein, pour ce coup. Non seulement elle interdit ce mariage, mais en plus, elle interdit également à sa fille de sortir et de poursuivre ses études. C'est l'avenir de Astou qui est en jeu. Hein. Bintou est prête à gâcher l'avenir de sa fille pour une histoire de cœur, une histoire de rancœur du passé. On apprend dans cet épisode que Bintou est allé jusqu'à déjà trouver même un mari pour sa fille. Mais ça ne marche plus comme ça de nos jours. Hein. Hors de question pour Astou de d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. Maman moukle la dalsa. Astou est dans l'air du temps, une époque dans laquelle ce n'est pas les parents qui cherchent les maris ou les futures femmes pour leurs enfants. Hein. Elle a déjà trouvé l'homme qu'il lui faut, elle est même prête à fuguer pour échapper à cette prison dans laquelle sa mère la garde. Mais si Astou fugue, ça ne fera qu'envenimer les choses, ça créera encore plus de problèmes dans la famille. En plus, Bintou n'hésitera pas une seconde à tout mettre sur le dos de Zainabou et en conclure que c'est elle qui influence son fils, hein. C'est elle qui demande à son fils d'avoir cette emprise sur Astou. Alors que pas du tout, les deux jeunes sont très amoureux. Astou a donc appelé Mustapha qui a su apaiser son cœur, il a su la calmer, il l'a conseillé de ne pas fuguer, de rester calme parce qu'il y a encore un peu d'espoir. Les deux amoureux comptent vraiment sur les hommes, hein, Ousmane et Mustapha, pour que leur mariage soit autorisé parce qu'au niveau des mamans, c'est mort, ils le savent déjà. Ousmane est donc passé à l'action, hein. Il ne perd pas de temps, il est allé voir Mustapha pour lui annoncer la bonne nouvelle et pour parler du futur mariage. Et du coup, la mère de Mustapha en a profité pour se plaindre de son fils. Elle souffre du manque de petits-enfants. Elle a vraiment envie que Mustapha ait des enfants parce qu'elle prend de l'âge, elle a envie de les voir. Voilà, discours typique de la maman. Mais il y a un petit côté manipulatrice dans tout ça parce qu'elle sait très bien que Mustapha a tendance à écouter Ousmane qu'il considère comme son grand frère. Donc elle compte vraiment sur Ousmane pour convaincre son fils et ça marche. J'ai trouvé ça quand même très très irrespectueux de parler de deuxième femme en l'absence de Anta. Personne ne demande son avis. Hein. Ousmane est certes le mieux placé parce que lui a deux femmes dans sa vie, mais il aurait pu quand même conseiller à Mustapha d'en parler avec sa femme quand même. Hein. Mais à aucun moment, ces deux hommes ne mentionnent Anta dans leur conversation. J'ai trouvé ça très, très, très irrespectueux. Dites-moi vous aussi, vous avez été choqué par cette conversation des deux hommes. Est-ce que ça se passe comme ça dans votre culture lorsqu'un homme envisage de prendre une deuxième femme? Est-ce qu'il est obligé d'en parler à sa première femme d'abord ou pas? Mustapha a déjà des vues sur la bonne, mais pour l'instant, il ne dit rien à personne. En fait, on dirait qu'il est dans le déni, en fait. Il sait très bien que la bonne l'intéresse, qu'il aimerait bien la voir comme femme, mais il a peur de se l'avouer. Du coup, le fait que Ousmane vienne lui parler de prendre une deuxième femme lui donne un peu plus de courage d'avouer qu'il est intéressé par la bonne. Pour le moment, la famille voit vraiment le côté positif de la polygamie. Ils sont persuadés que cette deuxième femme donnera, apportera des petits-enfants dans le foyer. Mais Mustapha doit être prêt à dire adieu à la paix dans son foyer également. Ce que Ousmane oublie de lui dire, c'est que avoir deux femmes, ce n'est pas chose facile. Il voit très bien comment ça se passe dans son foyer. C'est la guerre tous les jours. En plus, il y en a une qu'il préfère que l'autre. Voilà, c'est très injuste. Mais tout ça, Ousmane ne le dit pas à Mustapha. Djibril, le voisin, est entré en scène. On découvre un beau gentleman, très généreux, très gentil, hein, un bon voisin, très serviable. Hein. Il propose de déposer Khadija lorsqu'elle en avait besoin. Et il lui propose même un poste dans son lieu de travail. Ce que Djibril ignore pour l'instant, ce sont les sentiments que Khadija éprouve pour lui, hein, parce qu'on découvre qu'elle les cache, hein, pour le moment. Mais lorsque ces deux-là vont travailler ensemble, lorsqu'ils vont se voir presque tous les jours, les sentiments de Khadija vont grandir et ce sera de plus en plus difficile de les cacher. Par rapport au déroulement de cette scène d'ailleurs, lorsque Djibril propose de déposer Khadija en ville, j'ai l'impression que cette scène devait venir avant la scène qu'on a eue dans l'épisode précédent, puisque dans l'épisode précédent, on découvre Khadija qui est déjà installée dans le salon de Yaï en train de discuter. Après, on peut se dire qu'elle est rentrée chez elle et puis qu'elle revenait au salon. Ça reste cohérent. Mais il y avait une petite impression comme si la scène avec Djibril se déroulait avant la scène qu'on a vue dans l'épisode précédent. Dites-moi si vous avez eu la même impression que moi. En tout cas, j'ai bien aimé les conseils que Penda a donné à Khadija. Hey,
et puis il y a des choses qui sont faites. Il vaut mieux se mettre avec un homme qui t'aime, et oui, parce que pour l'instant, on ne sait pas si Djibril il aime ou pas. Il se comporte juste en bon voisin pour le moment, hein, rien de plus. On verra bien par la suite. En tout cas, Khadija a l'air très très déterminée, hein, même si elle est au courant qu'il est marié. Elle le veut, son Djibril, et elle fera tout pour l'avoir, hein, petit à petit. On a confiance, Khadija. On sait de quoi elle est capable. Mais je pense que Sarata sera également une adversaire de taille. Penda, de son côté, tout comme sa sœur, est en train de courir derrière un homme. Elle est prête à tout pour avoir son professeur Souma. Son but est clair. Elle veut détruire son mariage. Elle est vraiment culottée, hein, Penda. Les deux copines sont carrément venues se pointer devant chez lui. En tout cas, c'était l'occasion de voir la femme de Monsieur Souma. Et à la grande surprise de Hawa, c'est une belle femme. Elle se disait sûrement que si le professeur trompe sa femme, c'est parce qu'elle doit être moche ou négligée. Mais non, au contraire, elle est très très belle. Madame Souma, qui est Moussou Tchédoukoubalara Sadori. J'ai checké internet. Donc Moussou Tchéa, qu'on y a Tchébalara Koulako. Et oui, la beauté n'exclut pas l'infidélité. Et la mocheté non plus n'est pas une raison d'être infidèle. C'est pas parce que ta femme est moche que qu'il faut la tromper. Tu savais pas qu'elle était moche avant de l'épouser. Les hommes trompent parce qu'ils le veulent, hein. Pas parce que la femme a été négligente ou quoi que ce soit. Comme je l'ai déjà dit dans la revue précédente et comme on le sait tous, t'as beau être la femme parfaite, ça ne garantit rien. Ton mari peut te tromper s'il a la volonté de le faire, hein. En tout cas, j'apprécie le courage de Penda. C'est bien fait pour Monsieur Souma. Il l'a lâché au bout de 2 mois et ça donne l'impression qu'il a l'habitude même de faire ça. Comme si Penda était une parmi tant d'autres, quoi. Comme s'il avait déjà trompé sa femme à maintes reprises avec d'autres étudiantes. Le pompon serait qu'on découvre que Hawa fait partie de ses conquêtes. On sait jamais pour l'instant. C'est la bonne copine, mais on sait jamais. Je m'attends à tout, franchement. En tout cas, comme d'habitude, c'était un épisode hyper intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé de la réaction de Bintou face à sa fille et puis Ousmane. Est-ce que vous trouvez qu'il a été assez hypocrite d'encourager Mustapha dans la polygamie sans lui pousser à demander l'avis de sa femme? Ou est-ce que vous le comprenez? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!